Du 15 au 30 juin, le projet Femmes sur tous les terrains remet ses trophées sur les différents sites de l'Eurobasket Women 2013. Ce projet a pour objectif de mettre en valeur le lien fort existant entre la pratique du basketball et le développement personnel des femmes. Au total, 5 prix seront remis. Au vent d'espace, le 19 juin, c'est Brigitte Drumet qui remporte le trophée Jouer Ensemble pour son action de soutien aux enfants malades, handicapés et accidentés. Et cela en leur faisant pratiquer le basket et le sport en général au sein de l'association Des Étoiles dans les Yeux. Le sport en général et le basket. Ma fille Juliette était sportive de haut niveau, elle est à l'INSEP et donc son amie était Fatima Toussaco. Et ça a été une rencontre par rapport à notre association puisqu'elle a été notre première étoile, notre première marraine au niveau du basket. Et donc elle m'a fait rencontrer son club qui était l'ESBDA à Villeneuve-d'Ascq. Où on a été accompagnés sur nos actions au niveau des hôpitaux sur l'activité physique et sportive, mais aussi en nous invitant pour faire des entraînements avec donc les filles au Palatium en situation réelle de découverte d'un sport. Alors l'association a été créée le 1er mars 2008 avec un groupe d'amis. On avait tous en commun soit le décès d'un enfant, soit la maladie d'un enfant. Donc une volonté de faire de l'hôpital qui est un lieu de soins, un lieu de vie. Et donc on a été très sensibles sur l'hygiène de vie. Et donc en accord et en collaboration avec toute l'équipe de pédiatrie, on crée, anime et finance des salles de sport au sein des services de pédiatrie. On est en train d'ouvrir donc une salle à Calais, on est en train d'ouvrir un grand complexe sportif dans un centre de rééducation fonctionnelle sur le littoral avec un court de tennis synthétique qui est offert par la Fédération française de tennis qui va permettre aussi de faire du basket sur ce terrain puisque ce terrain sera multisport même pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil. Donc on pourra faire du basket fauteuil. Donc le but c'est de développer ces salles. Nous sommes en train d'en créer une à Lyon puisque le ministère de la Santé nous a demandé de faire un développement national. Donc c'est surtout pour nous par rapport au basket, c'est de développer le réseau basket autour des salles de sport, des hôpitaux que nous allons ouvrir ou que nous avons ouverts.